Ma mère m'avait dit de me faire couper les cheveux. Je lui avais dit ma mère, dors 20 ans si tu veux. Pour tenir mes promesses, il me reste 8 ans. Les autres à vous, ça va, ils seront tombés avant. Pourquoi les cheveux longs représentent-ils de la liberté? Parce que les autres ont les cheveux courts. Non, c'est un peu anti-bourgeois. Comment expliques-tu cette attitude des adultes vis-à-vis des cheveux longs? À mon avis, la première chose, c'est que ça les énerve, vu qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. C'est permis seulement aux jeunes, parce que je vois mal le mon préfet avec les cheveux longs sur les oreilles. Il peut pas, enfin, il se fait foutre à la porte. Tu crois que c'est de la jalousie, hein? Certainement. Mais crois-tu qu'il tiendrait à avoir les cheveux longs? Non, mais il tiendrait à avoir la liberté qui lui permet d'avoir les cheveux longs. Oh yeah! C'est la mode d'avoir les cheveux longs, c'est la mode d'être contre la guerre, d'être contre les Américains, d'être contre ceci. Il y a beaucoup de mode actuellement. En tant que directeur d'un établissement d'enseignement, si vous interdisez les cheveux longs à l'école, c'est pour des raisons purement éducatives. Oui, uniquement. L'éducation est faite de contraintes. Et... nous devons enseigner à vivre plus tard dans ces contraintes. Si nous ne montrons pas à nos jeunes gens qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qui leur passe par la tête, si nous leur laissons faire tout ce qu'ils veulent, ils ne seront pas éduqués en vue de cette vie en société qui est faite de contraintes. Et par conséquent, ils feront d'autres choses, beaucoup plus graves plus tard, en se disant que tout leur est permis. Ah ben, je vais te raconter l'histoire d'un gars qui a eu des ennuis parce qu'il s'était laissé pousser les cheveux. C'est-à-dire qu'il a 17 ans, son père ne voulait pas qu'il se laisse pousser les cheveux. À l'école, on ne voulait pas qu'il vienne avec les cheveux longs. Alors, plutôt que de se faire couper les cheveux, il a quitté la maison, il a quitté l'école. Bref, il a fait une fugue. Penses-tu qu'il a tort ou qu'il a raison? Moi, je trouve qu'à 17 ans, moi, il est entièrement libre de choisir le genre de vie qui lui convient. S'il a envie de se laisser pousser les cheveux... Je crois qu'il est libre. Vous croyez qu'on fait sauter une société en se laissant pousser les cheveux? On commence par voler un œuf et puis on tue sa mère, évidemment. Je sais bien qu'à 17 ans, je serais mis dans la tête que les cheveux longs représenteraient la liberté. Si mes parents m'auraient dit de les couper, j'aurais dit non, j'aurais fait une fugue. Plusieurs jeunes gens à qui l'on a demandé de se couper les cheveux en ont fait des drames, il y a eu des fugues. Est-ce que croyez-vous que le jeu en valait la chandelle? Oui. Parce qu'ils auraient fait des fugues de toute manière pour d'autres raisons, en admettant que raison il y ait. Pour les fugues, il n'y a jamais de raison véritable. Que répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, « Eh bien, à 17 ans, on est assez grand pour savoir comment on doit s'habiller, comment on doit se coiffer. » À 17 ans, on n'est pas assez grand pour savoir quoi que ce soit. Je crois que les adultes ont été élevés dans une société où on n'admettait pas du tout la révolte des jeunes, et puis ils ont beaucoup de principes, surtout les adultes. Et ce que nous avons beaucoup moins. Nous en avons, bien sûr, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de principe. Déjà, le fait de ne pas en avoir serait un principe. Et toi, tu t'es fait couper les cheveux? Oui, je me suis fait couper les cheveux il n'y a pas très longtemps. Mais pourquoi? Eh bien, mes parents ne m'interdisaient pas à ce point-là. Enfin, j'avais un peu peur d'avoir des déboires à l'école, surtout avant les examens. Et tu n'as pas l'impression d'avoir cédé, d'avoir plié devant une contrainte? Oui, j'ai un peu l'impression d'avoir été un peu lâche envers moi-même. Enfin, les gens doivent se dire que enfin, c'est un petit bourgeois qui a fait un peu sa crise et puis voilà, il est nouveau dans le rang de la société. Et en admettant que tu te retrouves du jour au lendemain dans une école où on n'admet pas qu'on vienne sans cravate, où on n'admet pas les cheveux longs, que ferais-tu? Tu changerais d'école? À ce moment-là, ou bien tu plierais? Ah non, je ne me plie pas du tout. Enfin, je ne plie pas. De toute façon, je n'ai jamais porté de cravate et je n'ai pas l'intention d'en porter avant longtemps. Je ne peux pas supporter l'idée d'être ainsi forcé, enfin.